Si est-il une des mesures phares récemment annoncées par Emmanuel Macron. Lors de son allocution du 12 juillet dernier, le président de la République a annoncé qu'à compter du 21 juillet prochain, le pass sanitaire sera obligatoire dans certains lieux publics, comme les restaurants, les bars, ou encore les lieux de loisirs et de culture. Une décision afin de pousser un maximum de personnes à se faire vacciner, et ainsi limiter la déferlante d'une quatrième vague de Covid-19, tandis que le variant Delta, plus contagieux, progresse à travers l'Europe. Toutefois, cette mesure ne sera pas obligatoire pour certains, les adolescents. Pour ne pas gâcher les vacances des familles, Olivier Véran a ainsi expliqué sur France 2 que l'obligation de ce pass sanitaire pour accéder à certains lieux publics ne serait pas étendue aux adolescents entre 12 et 17 ans, et ce parce que la vaccination pour ce jeune public ne s'est ouverte que le 15 juin dernier. Pour eux, le pass sanitaire s'appliquera dans tous les endroits où il s'applique à compter du 30 août, a ainsi précisé le ministre de la Santé, qui invite ainsi les adolescents à se faire vacciner massivement. Mais jusqu'au 30 août, si un adolescent est totalement protégé, si c'est-à-dire qu'il a son pass sanitaire en bonne et due forme, il pourra aller dans tous les endroits qui nécessitent le pass sanitaire, même sans masque, là où le masque n'est pas requis, a précisé Olivier Véran. L'obligation du port du masque bientôt levée? Toutefois, le ministre de la Santé a précisé qu'un adolescent devra conserver toujours le port du masque partout où ça sera nécessaire, tant qu'il n'aura pas atteint le niveau de protection conféré par la vaccination. Un port du masque qui pourrait bientôt ne plus être obligatoire comme l'a précisé Olivier Véran à Anne-Sophie Lapix. Nous pourrons progressivement lever la contrainte du masque dans toutes ces enceintes, ce qui concernera à terme l'ensemble des lieux de loisirs que vous avez pu citer, a-t-il précisé, en ajoutant que cela pourrait même se faire dès le 21 juillet prochain.